Les Bleus sont dans l'avion, 11 heures de vol pour arriver à Osaka au Japon, un traitement de faveur pour ces 22 passagers un peu particuliers que de nombreux supporters ont accompagnés au décollage à Roissy. Attentat suicide en Israël sur un marché du centre de Netanya au nord de Tel Aviv. Un kamikaze a fait exploser sa charge. Il y aurait 3 morts et une quarantaine de blessés. L'attentat a été revendiqué par le Hamas et condamné par l'autorité palestinienne. Les États-Unis redoutent de nouvelles attaques terroristes, c'est pratiquement une certitude, a déclaré le vice-président américain Dick Cheney. Oussama Ben Laden apparaît sur une nouvelle cassette vidéo, filmée sans doute en mars dernier. C'est pour aider la recherche contre la leucodystrophie, une maladie génétique très rare, que Zinedine Zidane participe ce soir à une soirée exceptionnelle, une émission sur France 2 avec Michel Drucker. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Ça y est, ils sont partis. L'équipe de France de football a décollé à la mi-journée pour le Japon, où ils ont jusqu'au samedi 25 mai pour s'acclimater avant la Coupe du Monde. Ne manquez ce matin à l'appel que Zinedine Zidane, qui est resté auprès de sa femme et de son petit dernier-né, le petit Théo, Manuel Tissier, Christian Gallet et Christian Leroux. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Merci. Et bonne chance. Oui, il en faut. Hein. Bonne chance et au revoir. 10h ce matin, l'équipe de France quitte l'hôtel de l'aéroport. Les joueurs reverront leur compagne dans 12 jours en Corée. Dernier baiser avant le départ, au milieu des flashs et des caméras. L'enregistrement des bagages est encore plus mouvementé. Des centaines de supporters tentent d'approcher les champions. Même les bras chargés d'offrandes, ce n'est pas simple. Donc c'était un Jéroboam de champagne qu'on voulait offrir à l'équipe de France. Mais la sécurité nous a empêchés de leur donner alors que M. Marcel Desailly voulait la prendre. La sécurité ne fait pas de cadeau. Vedette ou pas, il faut passer les portiques. Fouille au corps, contrôle des bagages. Les Bleus sont des voyageurs comme les autres. Juste un peu plus entourés dans les boutiques de luxe. Petit plaisir pour Djibril Cissé. Une première sélection, ça se fête. Plus question d'arriver en retard à l'entraînement. Donc ces routes par la Russie. Pendant ce temps, l'équipage prépare les 11 heures de vol vers le sud du Japon. Réunion des pilotes et des hôtesses de l'air, 22 joueurs en première classe, 6 tonnes de matériel dans les soutes et un menu sportif. Accompagner l'équipe de France. Il y avait une entrée prévue avec du foie gras et le foie gras ne doit pas être conseillé aux joueurs puisqu'il a été remplacé par une salade de fruits de mer. 13h15, embarquement du vol Air France 292, derniers encouragements sur le sol français. Les Bleus s'envolent à la conquête d'une deuxième étoile. Un kamikaze palestinien, sans doute déguisé en militaire israélien, a causé la mort d'au moins 3 personnes et blessé une quarantaine d'autres, dont 11 grièvement aujourd'hui. Il s'est fait exploser dans le marché couvert du centre de Netanya, au nord de Tel Aviv, un attentat revendiqué par le Hamas et que l'autorité palestinienne a condamné. Sur place, Charles Anderlin et Mossi Armand. L'alerte avait été donnée une heure plus tôt et des barrages dressés à l'entrée de Netanya. Mais le kamikaze palestinien était déguisé en soldat israélien et il a réussi à pénétrer jusqu'ici, dans le marché, en plein centre de la ville, où il a actionné sa ceinture d'explosifs. Les enquêteurs estiment que c'est un miracle s'il n'y a pas eu plus de victimes. C'est le 4e attentat à Netanya depuis le début de l'intifada en septembre 2000. Et le public réagit. Cette femme scande, il faut liquider Arafat. Lui déclare que la dernière opération militaire en Cisjordanie n'a servi à rien et qu'il faut commettre des attentats en représailles chez les Palestiniens. Celui-là l'interrompt. Il faut, dit-il, ouvrir les frontières et tenter de vivre en paix avec les Palestiniens. Une position visiblement minoritaire après cet attentat sanglant. Aux États-Unis, la Maison-Blanche redoute de nouvelles attaques terroristes. C'est pratiquement une certitude, a déclaré aujourd'hui le vice-président Dick Cheney. Les services de renseignement américains auraient intercepté des messages entre membres d'Al-Qaïda, selon lesquels des attentats de la même ampleur que ceux du 11 septembre pourraient se préparer. Étienne Lénard. C'est une lettre simple et courte que de très nombreux habitants de Californie ont trouvée sous leur porte ce week-end. Selon le FBI, des informations concordantes permettraient de penser que les groupes terroristes pourraient louer des appartements d'immeubles, les remplir d'explosifs et faire sauter le tout. Un scénario cauchemar et il est donc demandé aux Californiens la plus grande vigilance.
pour signaler les nouveaux locataires et noter les déplacements suspects. Sur les plages de Los Angeles, la missive n'a eu pour l'instant comme effet que de relancer la psychose. Quand j'ai lu la lettre, j'ai eu peur. Vous savez, depuis le 11 septembre, la vie a changé. J'ai un bébé de 15 mois et j'ai peur de vivre ici. Ça me rend un peu nerveux de trouver ce genre de lettre dans mon immeuble, sans savoir qui va faire quoi, si ça va vraiment exploser. Depuis le 11 septembre, les alertes se sont multipliées aux États-Unis. À chaque fois, des faisceaux d'indices laissaient penser que de nouvelles attaques étaient possibles. Les autorités américaines sont de toute façon convaincues qu'Al-Qaïda frappera encore. Je voudrais pouvoir dire « cela n'arrivera plus jamais », mais je crois qu'aucune personne responsable ne peut dire cela. Nous ne savons pas si ça arrivera demain, la semaine prochaine ou l'année prochaine. Au moment où George Bush et son administration sont critiqués pour avoir pris à la légère l'été dernier certains avertissements sur de possibles attentats, cette nouvelle alerte est aussi sans doute un moyen de montrer à l'Amérique que son président s'occupe d'elle. Indice supplémentaire du regain d'activité d'Al-Qaïda. En Grande-Bretagne, une nouvelle cassette vidéo inédite a été diffusée aujourd'hui par une agence de presse islamique. On y voit Oussama Ben Laden, certes fatigué, mais discutant avec d'autres combattants. Ces images auraient été tournées il y a moins de 8 semaines. Laurent Boussier et Michael Barnes. 40 minutes d'appel à la guerre sainte, de menaces contre Israël, les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres. Dans cette nouvelle vidéo, Ben Laden est égal à lui-même. En veste de camouflage et chapeau afghan sur fond de collines verdoyantes, le chef d'Al-Qaïda apparaît un peu plus mince que précédemment, mais en bonne santé et surtout en sécurité. S'il se confirmait qu'une partie de ces images ait été tournée récemment, il s'agirait évidemment d'une preuve que Ben Laden est encore vivant. Ça ne m'étonne pas. Je sais que Ben Laden essaye de prouver au monde entier qu'il est toujours vivant, actif, et qu'il a encore toutes ses capacités pour communiquer avec le monde extérieur. C'est par l'intermédiaire d'une agence d'information islamique basée ici à Birmingham que cette vidéo est arrivée en Grande-Bretagne. Alors que ces jours-ci, des soldats britanniques participent en Afghanistan à l'opération Condor de recherche de talibans, l'apparition de cette cassette est un signe que les réseaux d'Al-Qaïda dans le monde sont encore opérationnels. Ces images sont-elles vraiment récentes? Où se trouve Ben Laden? Ces phrases cachent-elles un autre message? Beaucoup de questions sont encore sans réponse. Mais après l'attentat contre une synagogue à Djerba revendiquée par Al-Qaïda et l'attaque suicide de Karachi contre des ressortissants français il y a 11 jours, une chose malheureusement semble claire. Aujourd'hui, il ne faut plus se demander s'il y aura de nouveaux attentats, mais quand et où ils auront lieu. En Asie, le Timor oriental est officiellement indépendant aujourd'hui après plus de 4 siècles et demi d'occupation, dont 24 ans par l'Indonésie. Une indépendance que le Timor avait votée par référendum sous l'égide de l'ONU en 1999 et qui avait déclenché de sanglantes représailles de la part du gouvernement indonésien. Kofi Annan, vous le voyez sur ces images, a assisté aux festivités pour l'indépendance à Dili. Le quartier des Tarterets à Corbeil-Essonne a été bien involontairement au cœur de l'actualité cette semaine, avec mardi l'attaque de 2 policiers par plusieurs jeunes de la cité, jeudi la visite du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, hier la rencontre entre 6 animateurs de ce quartier et le ministre justement. Aujourd'hui, retour dans cette cité, comment évitons? Jérôme Soulard et Madi Diawara ont passé cette journée avec les habitants des Tarterets. Une église plantée au milieu des immeubles. Pour la communauté catholique des Tarterets, ce n'est pas un dimanche ordinaire. Aujourd'hui, c'est jour de communion. Bien sûr, comme chaque semaine, l'église affiche complet. Les paroissiens de 40 nationalités différentes ont plaisir à se retrouver au cœur de ce quartier difficile qu'ils ne quitteraient pourtant pour rien au monde. Les Tarterets, c'est une vie associative et c'est surtout une grande chaleur humaine. Parce que c'est une grande richesse grâce à toutes ces ethnies. Des petits bonheurs, des copains, des copines, tous issus de ce quartier qu'ils aiment et qu'ils défendent fièrement. Il faudrait montrer un peu de côté positif, parce qu'il y en a pas mal, il y a beaucoup de gens qui veulent s'en sortir, qui veulent travailler et tout, et on ne le montre pas assez. À quelques pas de l'église, au milieu de la rue, il y a pourtant cette voiture brûlée dans la nuit. La délinquance reste ici une réalité, souvent difficile à supporter. C'est rare le soir où il ne se passe pas quelque chose. Pratiquement tous les soirs, il y a un véhicule d'incendie. Alors, et la vie devient de plus en plus intenable.
Hier, pour la première fois après les événements du début de semaine, des jeunes des Tarteries ont été reçus par le ministre Sarkozy. Rali Belkader y était, le responsable de l'une des 40 associations du quartier. Son organisation, Corbeille sans fin, distribue depuis 7 ans de la nourriture pour 160 foyers dans le besoin. Les Tarteries, c'est aussi une grande famille. C'est un petit village, quoi. Il y a 10 000 habitants, c'est assez concentré, tout le monde connaît tout le monde. Et puis quand il y a quelqu'un qui a des problèmes, bien les autres aussi, ils mettent tous la main à la pâte pour essayer de l'aider, quoi. De l'aide, il en faudra encore beaucoup pour oublier cette drôle d'image. En quelques jours, les Tarteries sont devenus le symbole de l'insécurité de ces banlieues difficiles à reconquérir. Pour les habitants, une nouvelle épreuve à supporter. La campagne pour les législatives commence avec des circonscriptions parfois difficiles, comme celle du Pas-de-Calais où se présente Jack Lang. Aujourd'hui à Boulogne, c'était la fête du crabe et la plupart des candidats y étaient. Mais il y a dans cette circonscription un lieu bien plus délicat à gérer, celui du centre de réfugiés de Sangat, toujours sous haute surveillance. Reportage Dorothée Cochard et Ninara. On le dit parachuté. Dans le Pas-de-Calais, on a parfois la pince un peu dure. Mais Jack Lang, candidat aux législatives, ne se démonte pas. Et si pour d'aucuns la politique est un panier de crabe, question crabe, il a du savoir-faire. J'aime les crabes d'abord et je les cuisine moi-même. Moins festif, à quelques kilomètres de là, le centre de Sangat, sans doute le dossier le plus délicat à gérer dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais. 1500 clandestins qui rêvent de l'Angleterre, deux fois plus que le centre n'en peut supporter. Pour le candidat Jack Lang, il faut premièrement que l'Angleterre accepte ou refuse clairement les clandestins. Deuxièmement, renforcer le nombre d'agents de sécurité. La loi électorale. Et troisièmement, je souhaite que très rapidement soit nommé un délégué interministériel avec plein pouvoir pour s'occuper, je dirais, en permanence du problème de Sangat de façon à le régler dans les 3 mois qui viennent. Pour le candidat Front National, Michel Sonville, la seule solution est de fermer le centre. D'abord, ce sont des clandestins. Ils sont ici sans papier, ils sont rentrés clandestinement grâce aux frontières qui sont complètement ouvertes. Et il faut tout simplement les renvoyer chez eux. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Autre candidat, même musique. Pour le RPR, il faut bien fermer Sangat, mais tout se joue dans la manière. Pour le candidat socialiste, c'est relativement simple. Pendant 5 ans, il n'a rien fait. Il propose des solutions aujourd'hui, mais une différente hier. Donc pour moi, il n'y a pas à apporter de solution. Le candidat du Front National, des mesures un petit peu extrêmes, sans avoir apporté, pris en compte le problème humain. Notre solution, qui appartient au gouvernement encore une fois, c'est de régler le problème du réfugié, prônant la fermeture du centre de Sangat, mais en réglant essentiellement le problème humanitaire. La circonscription vote habituellement à gauche, mais ce soir à 20h, la préfecture ne compte pas moins de 18 candidats. Un éclatement qui, comme au présidentiel, pourrait bien nuire aux partis les plus attendus. La campagne officielle pour ces élections législatives qui auront lieu les 9 et 16 juin débute ce soir, après minuit, heure limite pour déposer les dernières candidatures dans les préfectures. Jusqu'au dernier moment, à droite comme à gauche, on a négocié pour obtenir des candidatures uniques, avec un succès parfois tout relatif. État des lieux, Arnaud Boutet. Un simple panneau posé sur la porte, à l'UMP, on joue la sobriété. La droite affiche plutôt son premier bilan, celui des investitures. L'Union pour la majorité présidentielle lance dans la bataille ses candidats RPR, UDF, UDL dans 530 circonscriptions. François Bayrou, lui, n'en démord pas. Pas question de rejoindre l'UMP. Il compte sur les législatives pour rebondir politiquement et financièrement. Une centaine de ses amis joueront donc avec lui les troubles faits. Après des négociations difficiles, la gauche se dit enfin unie, mais dans seulement 170 circonscriptions. Au premier tour, il y aura 33 candidatures uniques, 15 pour les Verts, 13 pour le PS et 5 pour le PCF. Pas d'accord en revanche avec Jean-Pierre Chevènement. Son pôle républicain se lance donc seul, mais en nombre, avec près de 400 candidats. Enfin, il y a le Front National qui veut jouer les arbitres. Jean-Marie Le Pen ne se présente pas, mais envoie ses candidats presque partout. Après la présidentielle, le FN veut recréer la surprise et rêve de se maintenir au second tour dans plus de 200 circonscriptions. Les Français ne souhaitent pas revoir la cohabitation. Selon un sondage CSA France 3 France Info publié aujourd'hui, 55% espèrent une majorité pour le président de la République. Ils sont 36% à vouloir une majorité de gauche à l'Assemblée nationale.
Arlette Laguillier et des militants de lutte ouvrière ont passé la journée au château de Presles dans le Val d'Oise pour leur fête annuelle. C'était aussi l'occasion de lancer la campagne des législatives. Lutte ouvrière a décidé de présenter 560 candidats. Nathalie Moisan et Bruno Livertou. Comme les stars, Arlette ne se déplace plus sans escorte. Son score au présidentiel n'a guère progressé en 7 ans. Qu'importe, les fans sont toujours là. Mais pour les militants, Arlette Laguillier aujourd'hui n'a guère de temps. Élection oblige, la fête de lutte ouvrière a été réduite à une journée. Il faut enchaîner les interviews télé et radio. Personne ici ne songe de toute façon à critiquer la ligne choisie pour les législatives. Des candidats partout, mais sans la LCR. Nous avons pour la même politique que la LCR. Nous l'avons bien vu là au deuxième tour, déjà, pour appeler à voter ou pas à voter sur Chirac. La LCR n'a jamais dit ouvertement qu'elle appelait à voter Chirac, mais quand on dit que ça sera dans la rue et dans les urnes qu'on fera obstacle à Le Pen, il n'y avait pas le choix, c'était l'un ou l'autre. L'unité de l'extrême gauche n'est pas la priorité. D'ailleurs, les militants dans les allées du château de Presles n'imaginent pas de député trotskiste à l'Assemblée. Nous, on n'attend pas grand-chose des élections. La classe ouvrière, elle a changé les choses par ses luttes. Il y a eu juin 36, mai 68. Qu'importe le résultat électoral, à lutte ouvrière, la musique ne change pas. Le refrain, c'est toujours la défense des travailleurs. Arlette Laguillier, bonsoir. Bonsoir. 560 candidats, c'est un tournant dans la stratégie de lutte ouvrière. 560 candidates et candidats, puisque la parité sera intégralement respectée. Il y a même un petit peu plus de femmes que d'hommes, parce qu'il faut permettre à tous ceux qui ont voté pour ma candidature au premier tour des élections présidentielles d'approuver de nouveau les mesures, les revendications que j'ai défendues pendant cette campagne et que nous allons défendre à 560 cette fois dans tout le pays pour ces élections législatives et que nous allons demander de nouveau aux travailleuses, aux travailleurs, aux chômeurs, à tous ceux qui sont dans la précarité, de les approuver avec nous. En changeant de cette stratégie, vous n'avez pas peur de devenir un parti comme les autres, de vous banaliser avec d'autres obligations, notamment en termes de transparence? Écoutez, nous sommes tout à fait transparent et d'ailleurs la fête aujourd'hui de lutte ouvrière en est tout à fait le témoignage. Vous savez, il y a eu dans cette fête des dizaines de forums de discussion où chacun a pu poser ses questions, débattre, et ça fait aussi la richesse de notre mouvement. Vous n'avez pas pu trouver un accord avec l'autre famille trotskiste, la Ligue communiste révolutionnaire? Écoutez, non, comme nous étions d'ailleurs des candidats séparés aux présidentielles, comme nous l'avons été aux élections régionales, aux élections municipales, ce qui ne nous a pas empêché d'ailleurs les uns et les autres d'avoir des élus. Effectivement, ça sera plus dur d'avoir des élus dans ces élections législatives, puisqu'il n'y a pas, contrairement à beaucoup de pays européens, de proportionnel. Autrement, sur la base du score que j'ai fait au présidentiel, nous devrions avoir une trentaine de députés au Parlement. Mais nous allons quand même essayer de franchir ce barrage et en tout cas de faire le maximum de voix pour représenter les intérêts des travailleuses et des travailleurs. Arlette Laguillier, est-ce que vous donnerez des consignes de retrait s'il y a un risque de faire gagner un candidat du Front National? Écoutez, on ne va pas nous refaire gonfler la baudruche Le Pen comme on l'a fait au deuxième tour des élections présidentielles. Alors, ce que nous ferons au deuxième tour de ces élections législatives, nous le lirons au lendemain du 9. Et si vous me réinvitez le 10 mai, je vous dirai dans chaque cas, partout où nous avons des candidats, ce que nous déciderons pour le deuxième tour en fonction des circonstances. Merci Arlette Laguillier d'avoir été notre invitée. Merci à vous. C'est une première mondiale réalisée par une équipe médicale française, la greffe des nerfs sur la moelle épinière d'un homme paralysé des deux jambes. L'intervention a eu lieu il y a 9 mois et le patient parvient aujourd'hui à contracter certains muscles des cuisses. Explication Laurence de Scherf et Christophe de Vallembras. Lorsqu'elle est sectionnée, la moelle épinière ne passe plus les messages nerveux à certains membres. Résultat, l'homme devient paraplégique. Il y a 2 ans, une équipe française de neurochirurgiens tente une greffe de nerfs sur un patient victime d'un accident de la route. Une greffe exceptionnelle qui va relier la partie de la moelle épinière qui fonctionne au muscle des jambes par une sorte de dérivation. En rouge, on fait figurer dans la partie basse de la moelle la lésion.
Au-dessus, la moelle est normale et en dessous, elle est paralysée, non fonctionnelle. Donc le type de chirurgie que nous avons fait consiste à mettre un greffon prélevé dans les membres inférieurs que l'on greffe dans la moelle. Le cerveau est au-dessus, donne l'ordre à ces cellules qui sont ici de bouger les jambes et par le biais de ce greffon, cet ordre va être répertorié, répercuté et accepté au niveau des membres inférieurs. Plus qu'encourageant, des résultats très positifs. Après avoir eu des jambes fantômes, le patient a retrouvé des sensations dans certaines positions. Depuis cette première, deux autres paraplégiques ont été opérés expérimentalement. Nos patients ne peuvent que rapprocher les cuisses, avoir des contractions volontaires, c'est ça qui est important, des muscles des cuisses, des gros muscles quadriceps, mais c'est tout. Alors ça leur apporte certes peu de choses au niveau du quotidien, mais au moins la satisfaction d'avoir de nouveau un corps qui obéit à des ordres, et c'est extrêmement important. Il est hors de question de retrouver la marche aujourd'hui grâce à cette technique, qui ouvre cependant de nouvelles perspectives à long terme et prouve une fois de plus l'extraordinaire capacité du système nerveux. Pour la Coupe de l'América, c'est demain que les experts vont diagnostiquer par ultrason l'état de la coque du voilier du défi français endommagé hier par un bateau de Greenpeace. Selon les organisateurs, le voilier, en tout état de cause, participera aux éliminatoires de la Coupe qui débute le 1er octobre, ce qui laisse assez de temps pour effectuer les réparations. Une plainte a été déposée contre les manifestants antinucléaires. C'est un drôle de bateau qui vole sur l'eau. L'hydroptère, imaginé en 1976 par Éric Tabarly, est actuellement testé au large de Douarnenez. Des derniers essais avant une tentative de record entre l'Angleterre et Dinard. À la fin de la semaine, Martin Gouès. Un bateau qui vole comme un oiseau. À 5 mètres au-dessus des vagues, l'hydroptère se détache des flots pour prendre de la vitesse. Son élégante silhouette est née de l'imagination d'Éric Tabarly, mais il surprend encore les skippers les plus aguerris. D'un seul coup, on se surélève au-dessus de l'eau et on prend de l'altitude. Donc quand on est sur les foils, le comportement du bateau est très très différent. On cherche un peu ses appuis, le bateau aussi. Et puis il filtre les vagues, donc il n'y a pas du tout les mêmes mouvements qu'une coque qui flotte à la surface. Croisement d'un avion et d'un bateau, l'hydroptère touche l'eau au minimum. Il évite ainsi les frottements qui ralentissent son allure. À pleine vitesse, 35 nœuds, il peut aller deux fois plus vite que le vent. Son équipage est pour le moment principalement composé d'ingénieurs en aéronautique. Les essais se font au sud de la Bretagne avec un objectif, traverser l'Atlantique en 4 jours. Je crois que l'Atlantique, ça peut être du moyen terme, ça peut arriver assez vite. Notre ambition, c'est de comprendre ce qui se passe, parce que la vitesse est clairement au rendez-vous. Né pour battre des records, l'hydroptère s'attaquera donc d'abord à la traversée de la Manche. L'actuel record est de 6h21 minutes. Alain Thébault veut approcher la barre des 4 heures. Autre rêve de petit qui jouait au cow-boy, devenu grand, il s'imagine Calamity Jane, Buffalo Bill ou Butch Cassidy avec des vrais chevaux, des vrais chapeaux de cow-boy. C'est presque comme au cinéma, mais là, c'est pour de vrai, comme disent les enfants. Visite du côté de Rodez avec Isabelle de Lyon et David Bress. Ce ne sont pas les sept mercenaires, mais des passionnés de western. La chevauchée fantastique se déroule sur le Causse-Comtal, dans l'Aveyron. Ici, le temps d'un week-end, chacun vient faire sa conquête de l'Ouest. Je suis venue chercher du rêve, je pense. De la liberté, décompresser. On n'est plus la même personne, on vit un autre monde. La tenue des chevaux, comme celle des hommes, est très soignée. On ne joue pas au cow-boy. On en devient un. C'est une passion qui a démarré, comme beaucoup de gens de ma génération, enfant. Je dessinais sur les cahiers d'école des chevaux, des cow-boys et des indiens. Erreur, Richard. Trop derrière. Ça fait rien, va revenir. Ici, on apprend le véritable travail de ranch. Rassembler, guider, soigner les troupeaux. Nous sommes sur le domaine de Pierre et Marie Maupa, éleveurs bio et cow-boy au premier sens du terme, c'est-à-dire paysans à cheval. Si vous courez le bétail, si vous le spidez, vous allez avoir des animaux qui vont maigrir et lui stress. Donc l'idée, c'est de travailler à la vitesse des vaches. Les chevaux doivent s'adapter aux vaches. L'agriculteur transmet son savoir. Il fait partager sa passion pour les chevaux de race Appaloosa. Ça, c'est... Alors, ce qui se passe là, toi, tu as des petites réactions comme ça, c'est parce qu'il y a les juments mères qui sont dominantes.
Ces cavaliers sont expérimentés, on peut leur confier de jeunes poulains en apprentissage. Mais même les débutants sont les bienvenus au domaine. Le petit galop, c'est par moment, on n'est pas là pour faire de la course, c'est de l'endurance, c'est aller loin avec son cheval, c'est un compagnon, c'est un moment de vie. Comme chez les vrais cow-boys, on termine sa journée au coin du feu. C'est ici moins rustique qu'un saloon, une ferme du XVIe siècle. Le domaine de Courson, ses plantes, ses serres, ses visiteurs, cette année le thème à l'honneur était celui du Japon, avec quelques suggestions idéales pour ceux qui ne disposent que de balcons ou de petits jardins. Les journées se terminent ce soir, dernière visite avec Nabila Tabouri et Grégory Basseur. L'eau, symbole de purification, un jardin japonais ne peut se concevoir sans cet élément essentiel. Souci du détail, variété des espèces, tout un raffinement cultivé depuis des siècles au pays du soleil levant. Dans le jardin, rien n'est laissé au hasard, tout est étudié, que ce soit le choix des végétaux, la forme des arbres, la forme des pierres, leur emplacement. On rentre toujours dans le jardin avec le pied droit et toutes les pierres sont disposées de façon à ce que les pieds tombent naturellement l'un après l'autre. Le Japon et sa sérénité légendaire ont toujours inspiré les jardiniers occidentaux. Il ne s'agit pas pour eux de copier, mais d'adapter. La technique de la taille nuage s'applique ici à des végétaux bien de chez nous. Ce qui est bien, c'est de se servir des règles d'un jardin japonais qui sont établies depuis des centaines et des centaines d'années, s'en servir, mais par contre, faire le jardin à son image d'Européen. Rhododendron, azalée, érable ou encore glycine, des végétaux devenus communs dans nos jardins, témoignage de la magnifique contribution du Japon à l'histoire de l'horticulture et de la botanique occidentale. À Cannes, le deuxième film français présenté en compétition suscite déjà la polémique, copieusement sifflé hier aux premières projections. Demon Lover se veut un film à suspense dans l'univers glauque du sexe sur Internet. Reportage Marie-Jo Jouan et Jean-Louis Melin. Un réalisateur qui se lance dans le cyber-thriller international, une blonde américaine chaleureuse métamorphosée en brune glaciale, un acteur français qui prend 10 kilos pour le rôle, Olivier Assayas nous entraîne dans un monde de brutes, celui d'une entreprise qui diffuse des mangas porno, un monde où les femmes sont des barbares, où tout passe par le look et la violence, un film déjà très controversé ici à Cannes. Le film, il essaye de décrire la façon dont, dont les images contaminent les humains, c'est-à-dire la façon dont, au fond, aujourd'hui, de plus en plus, on est abreuvé d'images de toutes sortes, que ce soit celle de la télévision, que ce soit celle du cinéma, que ce soit celle qu'on découvre sur Internet, et que j'ai essayé de faire un film qui essaye de parler de la façon dont quelque chose se dépose de ces images-là en nous. Hellfire Club. It's an interactive torture site. Very difficult to access and very successful. There may be 30 such sites. La contamination des images, elles sont parfois violentes, mais juste comme un constat, sans ambiguïté, et surtout une base de réflexion. Si on pense à Jean-Marie Messier en ce moment, Vivendi Universal, on est en train de se dire, tout le monde attend, quand est-ce qu'il va se faire manger par la machine qu'il a mis en place? Bon ben, le film, c'est un peu ces choses-là qui sont racontées. Silhouettes comme des épures, ton bleu acier, mise en scène irréprochable, l'univers créé par Assayas fascine. Tout comme la révélation de Gladiator, Connie Nielsen, une cyber-espionne, cyber-sexy. L'ambiance était moins débridée hier soir au Stade de France pour la rencontre amicale avec la Belgique. Les Bleus avaient déjà la tête ailleurs, ils ont été battus 2-1 par les Diables Rouges. C'est la première défaite de l'année, mais ça ne devrait pas pour autant entamer leur morale. Christophe Duchiron. Tout feu, tout flamme et à tout cœur. Soyons honnêtes, hier soir au Stade de France, les supporters ont fait davantage pour le spectacle que les Bleus sur le terrain. Battu 2-1 par la Belgique, ce qui n'est pas grave en soi en match amical, mais ce qui fait légèrement désordre quand on est favori de la Coupe du Monde. Il n'y a pas péril en la demeure. C'était aussi, il faut savoir analyser les défaites et comme les victoires. Mais je dis, il y a eu des victoires qui n'ont pas été beaucoup plus glorieuses et c'est clair. C'est clair, question physique, les Bleus ont besoin de se refaire une santé, car la saison a été longue et intense. Du coup, la semaine dernière, Roger avait emmené une partie de ses jeunes en colonie de vacances à Tignes pour récupérer des forces et respirer le bon air de la montagne.
Alors, où en sont les Bleus par rapport à la dernière Coupe du Monde? Si tant est que le poil constitue un instrument de mesure approprié, on pourrait dire que défensivement, ils sont peut-être un poil moins bons, alors qu'en attaque, ils sont sûrement deux poils meilleurs. Défensivement, Blanc et Deschamps ont pris leur retraite, mais offensivement, Trezeguet et Henry ont laissé éclater leur talent. Zizou, c'est presque toujours le football au pays des merveilles. Décidément, dommage que Robert Pires, blessé, manque le grand voyage en Asie. Djibril Cissé, 20 ans, et lui l'appelé de la dernière minute. Mais ça n'est pas le moins doué en attaque. Hier, face aux Belges, il s'est offert sa première sélection. Et il a failli marquer. Faisons en sorte de retrouver justement cette capacité, cette vivacité qui faisait que parfois, je dis quelquefois, l'équipe de France allait dans l'excellence, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Ils sont 14 champions du monde 98 à participer à la Coupe du Monde 2002. Plus âgés de 4 ans bien sûr, mais ne dit-on pas que l'expérience est l'excuse des vieux? Alors pourquoi ne pas y croire encore une fois? Et avant de rejoindre ses coéquipiers pour la Coupe du Monde au Japon, Zinedine Zidane a choisi de consacrer 3 heures de son temps à une émission exceptionnelle avec Michel Drucker sur la leucodystrophie, une maladie génétique rare pour laquelle le champion du monde et de nombreux artistes veulent récolter des fonds. Alors avant d'en parler avec Michel Drucker, je vous propose de regarder ce reportage de Laurence Decherf. Le match de ce soir, pas question pour notre Zizou national de le manquer. Un match qui se joue sans ballon, mais avec Yann, son jeune coéquipier, et l'association contre les leucodystrophies est là. C'est un long combat, donc oui, c'est vrai que ça va pas s'arrêter l'année prochaine. Chaque semaine en France, ce sont 3 enfants qui naissent atteints d'une forme de leucodystrophie. Il y a 13 ans, les parents de Benjamin ont appris que leur bébé n'évoluerait pas comme les autres. La première réaction, c'est effectivement, on est accablé parce que déjà, on ne sait pas ce qui va se produire, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça ce qui est le plus dur, je crois. C'est la non-prévisibilité de ce que le futur réserve, sans savoir ce que le futur, quelle est la longueur du futur. C'est donc toute la famille qui se bat, unie pour Ben et pour que ces maladies ne restent pas orphelines, presque ignorées de la recherche médicale. On se dit, j'aurais pu être à sa place. Et on essaye de tout faire pour que lui se sente vraiment bien dans ces moments-là. On essaye de l'inclure le plus possible dans nos activités. Elles détruisent le cerveau et la moelle épinière. Ces maladies affectent une substance, la myéline, qui entoure les nerfs comme une gaine électrique. Les nerfs ne fonctionnent plus bien et les enfants perdent leur fonction intellectuelle, la capacité de comprendre, de se souvenir, de parler, de marcher. Et quelquefois, ça va bien plus loin que ça. L'équipe de stars sélectionnée par le capitaine de cette soirée a défini son challenge. Trouver 1 million d'euros pour construire une structure d'accueil destinée aux malades et aux familles. Un défi qui ne fait pas froid aux yeux à notre champion à 12 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Bonsoir Michel, bonsoir. Comment ça s'est passé ce tournage? Parce qu'avoir Zinedine Zidane pendant 3 heures au moins, c'est pratiquement mission impossible. C'est mission impossible. Pour un champion comme ça. Écoutez, Zidane au jour d'aujourd'hui... C'est Brigitte Bardot, c'est Pelé, c'est Platini, c'est Michael Jackson. Bon. Et tous ces faits et gestes sont observés, les caméras sont miniaturisées, les appareils photo également, c'est quelqu'un qui vit sous cloche. C'est une star. Qui travaille tout le temps en plus. Tout le temps et qui ne peut pas prendre le risque de sortir de son créneau, de sa vie qui est réglée comme une horloge. Entraînement, repos, massage... Tout ça dans le plus grand club du monde. Donc faire venir Zidane, il y a quelques semaines, avant la Coupe du Monde, avant la Champions League, qu'il a gagnée. Et de quelle façon? Et de quelle façon? On reverra le but avec Rodolphe Hassol, qui a coproduit l'émission avec Anne Marcassus. Nous avons quand même remis ce but. Ouais. Le faire venir, c'est une gageure, parce qu'il dit oui, parce que c'est quelqu'un qui s'engage. Les enfants aiment Zidane. Il s'est engagé pour cette cause aux côtés de Guy Dalba avec d'autres parrains. Il y a eu Cantona, puis il y en a des dizaines qu'on va voir ce soir, car il y a beaucoup de champions également. Lui, c'est le plus emblématique. Mais la veille de l'émission, il peut se blesser à l'entraînement. Le tout-puissant club du Real Madrid, qui l'a acheté une fortune, gère son image. Ouais. Il ne peut pas. Ah oui. Il peut pas faire ce qu'il veut. Si Del Bosque, l'entraîneur, dit... C'est pareil pour Thierry Henry, pour Barthez, pour tous les joueurs très aigués qui jouent à l'étranger. Si l'entraîneur dit non, il y a entraînement demain, parce qu'on a un match très important contre Valence ou contre la Corogne dans 3 jours, il n'y va pas. Donc il vient et on se dit, est-ce qu'il va arriver? Est-ce que l'avion n'a pas de retard? Est-ce qu'il ne va pas annuler la veille parce qu'il s'est fait une contracture? Donc il est venu
et on était soulagés à la fin de l'émission. Alors, on l'imagine timide, réservé. On sait aussi que c'est un papa extrêmement attentif, puisqu'il est resté pour être avec son épouse et son petit Théo, qu'on salue d'ailleurs. Avec Véronique, avec sa famille, ses parents, chez qui nous regardent ce soir, je les salue. Alors, on les embrasse. Et je rends hommage à ses parents, parce qu'ils sont pour quelque chose, si ce garçon est exceptionnel, Zidane. C'est alors, il y a ce regard... comme ça, avec cette lumière dans ce regard. Qu'est-ce qui vous fait craquer, vous, voilà, les femmes. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière le regard de Zidane? Alors, Françoise, vous êtes amoureuse de Zidane, ça ne m'étonne pas, toutes les femmes sont amoureuses de Zidane. Mais derrière ce regard, cette douceur, ce calme, cette sérénité apparente, il y a derrière une volonté d'acier. Il y a un gars qui, à 16 ans, était dans un centre de formation à Cannes, professionnel à 20 ans, qui a joué à Bordeaux, 5 ans en Italie. Il n'a que 29 ans, mais il a vécu 10 vies. Il a un mental d'acier. Il était adulte très tôt, comme tous les surdoués, comme Capriati, comme Céleste. Il n'a pas eu de jeunesse, et comme Pelé. Et c'est un type exceptionnel. Merci Michel Drucker. À tout à l'heure, on vous retrouve juste après le journal. Et puis après, il y a la coulisse de Love United. Absolument. J'ajoute que toute la rédaction de France 2 rend hommage ce soir à Alain Kropfinger, qui est décédé hier à 51 ans. Il était père de deux enfants. Alain, ingénieur du son, avait couvert avec les équipes de reportage de nombreux conflits en Afghanistan, au Rwanda, au Kosovo. France 2 s'associe à la douleur et au deuil de sa famille. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo, Nathalie Rioué, à partir de 20h50. Donc, Zidane, Michel et tous les autres, suivis d'une grande soirée football. Minuit 20, le dernier journal FMT. Télématin, 7h40, les 4 vérités. Roland Sicard reçoit Pierre Bédier, maire RPR de Mantes-la-Jolie. 13h, Laurence Ostolazza. 20h, Antoine Cormerie. Excellente soirée sur France 2. Et on se quitte sur ces images de la montée des marches du palais du Festival à Cannes pour une soirée hommage à Jacques Tati. Vous voyez, les invités sont habillés en personnages du célèbre cinéaste et vous le reconnaissez peut-être. Et oui, c'est Michel Piccoli qui joue Monsieur Hulot. Il faut dire que le papa de Michel Piccoli jouait dans le film de Jacques Tati, Playtime.